Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. C'est un Sega TV tuner pack pour Game Gear, ok. Et en fait, il euh, fonctionne bizarrement. Il marche pas très bien. Je l'ai acheté en boîte, etc., sur Vinted dernièrement, et j'aurais aimé qu'il marche mieux. Donc on va le faire marcher un peu mieux. Voilà. On va regarder un petit peu à l'intérieur la gueule qu'il a, et s'il y a moyen de, de le refaire euh, au propre. Donc, on va faire ça. C'est parti. On va l'ouvrir. Et ça permettra notamment de faire tourner des jeux sur la Game Gear, euh, des consoles même sur la Game Gear. Là, qui doivent se dire, mais ça sert à rien comme accessoire, etc. Parce que euh, c'est pas compatible avec nos antennes à nous déjà à l'époque. Donc, c'est même pas sorti en France. Par contre, on a un AVIN qui permet de brancher tout et n'importe quoi dessus. Et ça, c'est cool. Et moi, c'est ça que je veux. Je veux brancher plein de trucs. Pour rien d'ailleurs. une citron bien mûr. Et on verra après si on arrive à le refaire marcher comme il faut. Je vous ferai une démo. Et ça serait fou qu'il fonctionne aussi sur la mon écran IPS. Ça, c'est une autre histoire. Salut lui M Master. C'est lui à ceux qui arrivent. Mais vous bien, on des mondes. Et on va essayer de faire fonctionner tout ça. des la TNT sur la Game Gear. et oui. Alors moi, ce que je vois plutôt, c'est pas la TNT, c'est la Switch sur la Game Gear, Ça va être la Xbox. Tiens, pour faire si on a des tests à faire, on fera avec la Xbox. On le fera avec la Xbox. Oh, le disque dur, il gratte sa race. <laughs> Normalement, l'antenne, il y a une grosse vis à l'arrière. Avec la petite rondelle. Est-ce que ça se démonte Oui, monsieur. Impeccable. Et ici, on a deux vis de sécurité. Forcément, un hein, Sega. J'ai du flux sur mon tournevis. Non, C'est inutile, donc indispensable. Tout a fait. Non, mais après, l'intérêt, je vous dis, hein, ça va être de brancher d'autres des, consoles dessus. Ça pourra faire des choses marrantes, ça pourra faire des belles photos, ça pourra faire des, des lives euh, marrants. Si un jour j'ai envie de faire des lives un peu. Euh... Un peu comique, ça peut être bien. c'est si un jour je fais venir des gens ici, euh, leur faire des gages, leur dire bah voilà maintenant tu joues à ça. Sur la GMJ. Hein. Tu, tu fais la, le niveau de driver sur la GMJ. Hein. Voilà. Le parking sur, sur la GMJ. Hein. Directement. Et on y va. J'ai mal le corps. Hop. Alors je sais pas comment ça se démonte. J'en ai jamais démonté. J'en ai jamais vu démonter. Oh, c'est joli. Le petit blindage à l'intérieur. Enfin, c'est une espèce de couche. En... Le petit bouton pour essayer de pas perdre. Je vois une vis ici. Donc ça, c'est le fil qui visiblement est pour l'antenne. Tiens, c'est fou de voir en fait. Euh, T'as pas l'impression que c'est pour la Game Gear, ça ouais, On viendra nettoyer, bien entendu, ceci. On a une nappe ici. Très étonnant pour de la Game Gear. Je trouve. Essayez d'aller un peu plus loin. En fait, J'aurais aimé voir s'il y a des condensateurs ou autre dessus Ah, oh, RetroAdrum qui est là comment ça va RetroAdrum que je vous invite absolument à suivre sur sa chaîne il répare des 3090 c'est pour vous dire le talent du gars quoi vraiment allez le suivre j'ai très souvent comique ah d'accord <laughs> ça se défait ça ou pas hein j'ai l'impression que oui mais en même temps, ça me fait peur. C'est le potard pour la couleur. Ça me dit pas que ce soit c'est un double face. Non, ça va. C'est pas un double face. Oh là là. Ça a l'air si fragile dedans. Enfin, je répare pas les RTX qui fonctionnent déjà. <laughs> Faut pas le dire, arrête. Faut pas le dire. Ah, oh, il l'a réparé lui-même et tout, euh, très fort. J'aimerais bien le décoller, le défaire proprement. Ça s'est mis grave, pas droit, mais on a réussi à l'enlever quand même. Et ça, normalement, ça doit venir tout seul. Voilà. C'est beau hein, quand même. Ça a rien à voir avec ce qui est fait d'origine euh, sur les autres cartouches. J'ai mis à mon conseil et pas préparation automatique. Et ça, c'est beau. <laughs> non, en vrai de vrai, -E qui fait plein de réparations sur sa chaîne. Il fait du récent, il fait de l'ancien. Allez-y. Si vous aimez la réparation, vous kifferez forcément ce qu'il fait. Regarde, a des composants qui font un peu la gueule. Il y a des trucs, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est des potards. C'est des potards, ça. Les deux ronds là. On a une pute ici pour le secret euh, industriel. On a un quartz là, un autre là. Là, on a un condo. Puis après, plein de petits composants CMS. C'est marrant. Hein. On nettoiera bien entendu tout à l'heure le connecteur. Puis on verra ce que ça donne. Maintenant j'aimerais bien démonter ça. Par contre j'ai ça. Comment ça s'enlève ça Merci à la garantie heureusement. Ah oui heureusement. Oui. Simon. J'ai ça mais ça semble relié au potard à l'intérieur. Ah non, ça s'enlève. Ça s'enlève tout seul. Enfin, plus ou moins, tout seul. Alors je vois des condos dedans, ça me rassure. Je me dis que c'est peut-être eux qui posent problème. C'est tombé ça, hein c'était où Ah oui, c'était un cache qui était là. Qu'est-ce qui ne marche pas du coup Il fait des couleurs bizarres, il n'est pas terrible. Et il ne marche pas sur mon écran IPS. Après, il y a de grandes chances que ça marche jamais sur mon écran IPS, mais j'aurais aimé le faire fonctionner sur mon écran IPS. Alors, ça, ça veut pas venir. Ça se débranche, ça ou pas Ah, oui, c'est un truc qui se débranche, ok. Il y a bien de rien casser du coup. Tu as déjà ouvert de ça, euh... Rétro Redrum Voilà. Voilà. Et là, on l'enlève. Et je vois qu'il y a quelques condos. 1, 2. Deux... Ah oui, il y en a plein en fait. Il y en a plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 condos. Cool. On va les remplacer. On va les remplacer. Même si j'en ai déjà eu entre les mains. Ah, d'accord. Donc, on voit que visiblement, la vidéo passe par là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette prise-là. Cette prise-là, c'est la prise AV. Et elle passe par qui elle Passe par lui. Passe par lui. Passe par lui. Elle passe quand même par pas mal de composants. Et elle va où Flip flap, flip flap. Peu. Ça va là-dedans. Ça va là-dedans. Vous pensez que là-dedans il y a encore des condos Non, je pense pas. C'est tout petit. Ok. Et là on a un autre truc. D'accord. Ça c'est juste le. D'accord. C'est juste l'interface pour régler le tuning. On peut la laisser en place. Comme ça, ça nous évitera de dérégler ou de faire des bêtises. Cet appareil C'est pour regarder la télé sur la Game Gear. Et nous, euh, ce qui nous intéresse, ce serait de brancher des choses un peu différentes dessus. Parce qu'on peut brancher euh, ce qu'on veut, au final. Alors, maintenant, je sens que ça va être des, des, des condensateurs avec des... Euh... Déjà, c'est des tout petits condos. Et j'en ai pas énormément des tout petits condos. Donc, ça va être un peu la galère pour ça. Hein. Et je sens que ça va être des, des valeurs bâtardes. Donc là, on a du 10 volts, 47 microfarades. Là, on a du 6,3 volts, 100 microfarades. Ça, ces deux-là, ça va pour l'instant. Là, on a du 10 volts. 10 volts, 10 microfarades. c'est compliqué de voir. Hein. C'est compliqué à voir comme c'est tout petit. Une télévision sur ta gamergear. Hein. Euh, Peut-être on va pouvoir brancher autre chose, non Plus intéressant que les télévision. Oh la vache On va tous se pécho. Donc là, l'artwork il a, il a, est en train de, de, de se de faire hein, en installation sur la Xbox. Mmh. Excusez-moi, Hop. ça chauffe pas hein, cette histoire. Par contre, bon, là en même temps, elle est juste en train de faire un transfert. Je vais fermer la fenêtre. J'ai froid d'un coup. Pourtant, j'ai quand même une Xbox 360 qui tourne derrière. Euh... Bon, et sinon, on va, on va faire au fur et à mesure. Allez, let's go. 10 volts 10 microfarades. Euh, merde. Les 6-3 ils sont à la bonne taille. Parce me faut du petit là. Hein. Sinon on va prendre du plus gros, c'est pas grave. 3. Oh, là j'ai du 35. 35 c'est bien. 35 c'est bien, la taille euh, pourrait le faire grave. C'est à peine plus grand, parfait. Parfait, parfait. C'est lui Red Punk, merci pour ton follow. On a du 2,250 volts. C'est pas dit que j'ai tout, hein. genre ça là, les tailles comme ça là. Les valeurs un peu bartardes. Ah si, 2,250 j'ai, étonnamment. 2,2 c'est bien ça, 50 volts. Intéressant. Intéressant que j'ai ça. Oh, par contre, ça va être une taille monstrueusement... Ah putain, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué d'avoir aussi gros, par contre. Ça, ça va ici. Euh... Même si j'ai de la place que j'ai de la place en vrai quoique non ça va comme ça si mettons je le remets en place je regarde juste ici. si si j'ai de la place en vrai je me prends pas trop la tête je veux surtout qu'il fonctionne ce machin non, en vrai j'ai tout le creux là en fait j'ai tout le creux là Potentiellement j'ai la tasse, j'ai la tasse. J'ai la place. Ok, bon, on va tenter. 2,2 c'est bien. Et au final, lui, je mets du 35, mais je peux mettre du plus petit. je peux mettre... Ah ouais mais non mais 16. Oh là là, 16, ils sont max. 35 on va mettre. 35, ça ira très bien. Il y en a qui peuvent se dire, mais putain, mais quel connard de mettre de la merde là-dedans. J'avoue, j'ai pas envie de refaire une commande RS. 3,3 10 volts 10 ça y est le artwork installer est fini d'installer ok et là normalement je dois lancer le script euh, c'est dans skin settings aussi je crois on va aller dans script et là on va lui dire Run Xbox Game Artwork Installer. Là, il faut run l'application. La, comment tu fais Je ne me rappelle plus comment j'avais fait. Il y a pas ceux qui mangent, effectivement. Merde. Bon, je sais. Que... Ceux de la VOD ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait euh... C'est assez chiant. C'est qu'à chaque fois, je ne me rappelle plus comment on fait. J'ai installé le Xbox euh, Games Artwork, euh, Artwork, tout simplement. Et après, il te dit Please download and run. Parce que je l'ai déjà téléchargé. Et je l'ai déjà lancé au moins une fois. Ça, c'est chiant. Des condensateurs trop mignons. Ouais, et on va mettre des gros condensateurs dessus, bien dégueu. <laughs> Comment il va, le binaris Attendez, je vais essayer d'aller dans l'application. Euh, B. 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 Oh putain. Mmh, ça m'énerve. Contexte menu, non. Synopsis, non. option non. Quick change, non. Hello skin, logout, change. Voilà, application. Binaris, hein, je vous invite à suivre sur sa chaîne. Hein. Ça fait des lives très souvent en ce moment. C'est vrai. N'hésitez pas à le suivre. Hein. Ça fait des lives très souvent sur l'électronique, tout comme ici, donc vraiment, mettez-vous bien et allez le suivre. Mais non Shortcut, peut-être Ça me fatigue, déjà. C'est fou, hein Ce fut rapide, hein Pas bourreau. Allez Qu'est-ce que ça m'énerve ça je l'ai téléchargé le artwork là de ces morts si je crois j'avais fait un truc à l'arrache la dernière fois de manager voilà c'est ça que j'avais fait on va aller dans je l'installer dans quoi danger artwork voilà et on le lance <laughs> comme ça et là normalement il va me demander d'installer tout le reste voilà xbox artwork installer auto artwork installer paf et c'est parti let's go ok continuons c'est le petit fil rouge donc là j'ai un 3 3 faut pas que je me trompe hein. ça ressemble à être du 5 3,350 volts. Ça, ça va faire, part... ça va faire partie des... des trucs que je n'ai pas. Ça. Euh... Ah, si, j'ai rien dit. Artwork, yes, Installe tout. Mets-toi bien. Skip existing, artwork. Yes, il y en a zéro, donc tu peux y aller. Euh... Euh, je vais commencer à les ranger quand même, mes bails. C'est bizarre que j'ai ces valeurs-là. Je suis étonné. Alors 3,350, oui. Ah oh bah j'en ai que deux. C'est marrant ça. 3,3,50. Oh c'est du chong en plus. <laughs> je ne te raconte pas. C'est pas terrible, hein, du chong, je crois. 6,300 microfarad. Sagesse On hein. mettre du 10. Sont plus petits, hop là, ok. Et là, ah merde, c'est encore un 3-3-50. Je crois, bon, on va prendre le deuxième 3-3-50. Et s'il y en a trois, on est cuit. <laughs> c'est Balthazar. Xbox 721, c'est pour quoi faire c'est un petit à box, tu vas voir. Tu vas voir après l'intérêt du truc. Je vais te montrer ça même tout de suite. D'ailleurs, ça vient de finir. Et bienvenue à toi, euh, Brumo. Merci pour ton follow. Euh, tac. Je vous montre ça. Hein. What Il me demande euh, ça Calibrate, press start to exit. Start to exit. You finish. Yes. Euh, question, tu testes pas les composants, tu remplaces tous sans tester ou alors comme ils sont vieux, c'est forcément foutu. C'est pas forcément foutu, mais ils sont tellement vieux. Euh... <laughs> Plus de beurre, je dois corriger ce problème. Courage, Binaris. Bonne course. Comme ils sont vieux, c'est par précaution tu les remplaces. Dans le doute, tu les remplaces, tout simplement. Je pourrais euh, les enlever, les tester et, euh, et puis voilà. Mais sauf que là, ils ont euh, un certain âge. Je sais pas quel âge il a cet accessoire là. Mais euh, je pense qu'il a plus de 30 ans. Globalement, tu l'es fait. Tant qu'à faire. Parce que pour les tester, tu es obligé de les enlever, en fait. Mais c'est une très bonne question. Et donc là, normalement. Donc, Xbox Games. Et là. Pourquoi ça n'a pas marché Oh, je suis d'ailleurs, j'ai envie de chialer. Oh c'est chiant mais ça ça arrive souvent en plus Et en fait normalement t'es censé avoir euh, T'es censé avoir les, les artworks qui vont avec. Ah mais oui mais en fait euh, non c'est chiant. C'est que si je fais ça, c'est pour ça. Bah non pourtant. Merde. Ah oh, oui, c'est vrai. Ça c'est de la merde. Je peux pas cancel en plus. Je crois que c'est. Euh, c'est pas XBE, normalement tu as un settings. Non, c'est pas ça. C'est pas propriété ou un truc comme ça Coup de game, un trailer list, Bref, je sais plus. Mais euh, potentiellement, comme le nom n'est pas bon, ou mal rangé comme il faut, il va pas chercher. Voilà. faut pas rafraîchir un truc. Non, normalement c'est fait. C'est fait, c'est fait, mais c'est jusque-là. Comme ils ne sont pas rangés comme, euh, comme lui aimerait, il va pas. Mais en fait, normalement. Normalement. Euh... Comment je fais aller pour aller dans les view settings du coup maintenant C'est une connerie ou quoi Je ne peux plus aller dans les view settings parce que normalement c'est la flèche du haut. Ah, il faut faire flèche de gauche. Et en fait, normalement, tu vois l'interface en haut censé avoir euh, donc là l'interface l'espèce d'interface 3d ou ce que tu veux tu vois, as plein de trucs tu as plein de trucs d'interfaces différentes et euh, sauf que tu es censé avoir les images du jeu tu tu t'es censé avoir l'image du jeu avec même l'image dans le fond mais sauf que là comme ça c'est pas téléchargé et tu vois tu as une belle interface avec tous tes jeux voilà voilà mais là, on l'a pas parce que... Parce que c'est la vie. Hop, on va l'éteindre, c'est pas grave. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Et on va continuer ça. Euh, donc on avait dit le deuxième 3,350 volts, mais je suis pratiquement sûr, j'en ai un troisième ici. Et ça, c'est la merde. Donc là, j'ai... C'est pas grave, on va faire tous les autres. Là, j'en ai un, deux. Là, je suis à celui-ci. C'est un truc de ouf. On voit rien. On voit rien. Mais oui, comme c'est mal rangé, c'est pour ça que je vais pas me prendre la tête. Et je virerai tout dedans. 50 volts, 4,7. Aïe 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 aïe! Les 4,7, j'ai que du 450 volts et 35. Alors, 450 ça me paraît un peu beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. <laughs> je vais pas avoir tous les condos, ça veut dire que cette réparation n'aura aucun sens. <laughs> je vais regarder si j'en ai pas en stock, que je n'ai pas écrit ici. J'attends juste que euh, l'ordinateur se réveille et je vous montre ça. Parce qu'en fait, là, la, la colorimétrie elle ressemblait à rien quand tu le lançais. Mais je suis content, on a quand même réussi à démarrer XBMC for Gamer, donc ça veut dire que potentiellement, voilà, ça devrait marcher prochainement. Failsy là, je peux le fermer. Evo deux machin, je peux le fermer. Et plus tard, je ferai en sorte que ça boot directement sur le bon, qui va bien. Tac, tac, et je cherchais quoi Mon interface Google Drive. Avec tous mes condos dedans. Et je vous montre ça tout de suite. Hum... Matériel en stock. Voilà. Ce genre de bail. Et j'avais dit que j'avais besoin d'un quoi Alors, 3,350. J'en ai que deux normalement. Des chongs. Voilà. Tu vois, j'avais même écrit que j'en avais plus qu'un. Je vais pouvoir mettre 0. J'aime pas Excel. Ça me saoule. Et j'avais dit qu'il me fallait du 0,4750. Ah, j'en ai. Verse électronique. Oh je sens qu'ils vont être très grands. Les verses, souvent, c'est pas des petits condos. Souvent, c'est pas de petite taille. Du moins ce que j'ai moi. Et donc on va regarder. Bon, gros en gros, il ressemble à ça mon... Hop, je un peu. Alors ce qui est bien c'est qu'ils sont rouges. Je pas trop les louper. Là c'est très gros peut-être non c'est du 33 35 ça par exemple ou mmh. qui sont mes vurs j'ai pas mes vurs je les aurais rangé ailleurs je regarde. Attends, attends mais attends non, je veux pas du 047 je dis des conneries c'est pas ça que je veux c'est marrant, il y a des traces d'étain, de soudure et tout. C'est drôle. C'est pas du 0,47, c'est du 4,7 que je veux. Ah, j'en ai quand même. Et là, cette fois-ci, c'est du Nichicon. Donc, c'est pas des rouges. Et Nichicon, par contre, je peux en avoir des petits. Ça, ça peut arriver. Ça peut être des petites tailles. Et Nichicon, ça peut plaisir. Bonne marque. Hein. Attention. Hop. Allez les Néchicons, Ça c'est du panasonic si c'est doré comme ça. Je commence à reconnaître un petit peu les, les couleurs, les marques de, de condensateurs. C'est bon signe. 54,7. Impeccable. C'est ça que je veux. Ok. Donc ça c'est 54,7. Et donc là celui-ci ça sera un 50. C'est chiant, on voit pas beaucoup hein, comme ils sont tous refermés. What C'est un quoi ça On l'enlèvera, on verra à ce moment-là. Mais je vois même pas ce que c'est. Mais comme ils sont tous serrés, tu vois pas tout. Et là c'est du 10V47, 10V47 et là 10V47. Voilà. Ça au moins. On est bon. 10V47 euh, microfarade. Ça je dois avoir. Ça je dois avoir. Et ils sont grands. Il m'aurait fallu un petit. Ça aurait été cool. C'est pas grave, on fera avec. On fera avec. Voilà. Ça, je vais tenter de le remettre là-dedans. Ça va être un délire. Ça va. Et là, là. Voilà. Et là, on va commencer à jouer. Viens là, toi. Pour un ciseau. Un condo rouge sur un équipement audio vidéo. On est dans l'hémisphère nord. Je vais mettre un condo bleu pour voir avec Putain, merde C'est bien qu'est-ce que je pensais. Je prends le risque de tout foirer. Bon, bah, elle marche bien, elle. Hein en vrai. Ça chauffe ou pas derrière Oui, monsieur. Alors, c'est bien, c'est que ça permet, en plus, de la faire choper comme ça longtemps. Euh. C'est que ça permet de la détaler la pâte thermique aussi, bien comme il faut. Avant utilisation. Alors. Tu te fais chier. Euh, un condo, c'est un condo, tu prends un pif <laughs> qui ressemble vachement et ça fait le taf. C'est pas bête. C'est bien qu ce que je pensais. Ah bah ça c'est ça, c'est ma phrase, hein, ça j'aime bien. Euh, donc les 3-3... Euh, je vais me le noter. Mais non, j'ai du Rubicon. C'est des 0,47. Moi qui pensais pas avoir ça. Comment se fait-ce Pourquoi je, pourquoi je l'ai pas Il est où Bah attends, c'est qui que j'ai en. Censé avoir en double C'est eux. Je me fatigue. Ok. C'est pas grave. Donc on a dit. Cela, 47 microfarades, 10 volts. Je vais juste les enlever tout de suite, sinon je, si je ne le fais pas, mon Excel n'aura plus aucun sens. Hop, j'en enlève 3. 27-3, 24. Pas en remettre le gars hein, quand même. Je trouve, hein. Je dis ça. 2,250. Ah j'en ai plusieurs, j'ai des Jackson et j'ai des RS. C'est un Jackson. Hein. Bah, les deux sont des Jackson, du coup, en fait. Ah non, j'ai des Capixcon. C'est quoi ça BP, c'est du RS. Hein. 21. Hop, je mets ça de côté. Je pense le bleu de ta radio, des 70 il y en montre. Ah oui, c'est vrai, il est où d'ailleurs celui-là Je sais même pas ce que j'en ai fait. Je crois que je l'ai gardé encore. Je l'ai quelque part. Mais je pense qu'il passe. Hein. 10 microfarads 35. On avait un condo la dernière fois de la taille d'une petite canette de, de Red Bull. C'est pas mal hein. ça en vrai. Fait, euh, ça en fait du liquide. En plus, il était bleu. Il était bon. Hein. 3,350. 3,350, il me semble que c'est celui où j'en avais deux. Voilà, chong. Mais il est où l'autre Je l'ai laissé là-haut. Reviens Bah non, je ne l'ai pas laissé là-haut. Bah là, il est où ce con 0,47. Ça c'est du ninchikon. Ça c'est du... Bah j'en ai fait quoi J'en ai qu'un seul Bon. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Tant pis, on pourra changer qu'un seul des 3-3. Alors, PS3 qui a un problème de disque dur et de tête de lecture, je crois. Ah, bah, si tu veux la réparer toi-même, n'hésite pas à passer sur le euh, Discord. Tu recevras de l'aide. À coup sûr. Surtout la PS3. Sur le Discord, c'est un peu une console euh, très, très, très. Euh... Pratiquer. Donc 10 volts, 10 microfarades. Je crois que c'est celui-là. Non. je crois que c'est celui-là, oui. Donc on va enlever nos petits condos. Moi, voilà, la réparation est une caisse immédiate. Ah bah, Si tu veux que je te la répare, tu m'envoies un DM et je te fais un, un devis. Il était gonflé celui-là toujours sentir les condos c'est important pour être sûr Hop. Voilà. on va nettoyer et on va remettre directement c'est comme j'ai pas le plan je suis pas sûr qu'il existe les plans de, de, de ce truc-là sur internet avec les condos. À la base, je voulais. Euh, je me suis dit, comment on va faire des condensateurs Je me suis dit, on va pouvoir utiliser le Low Melt. Le Low Temp. L'étain euh, basse température. Pour tenter. Il paraît que c'est pas mal. Pas mal de, de, de youtubeurs utiliser ça et je n'ai toujours pas pris le temps de le faire, alors que j'en ai pas. Ouais, je le fasse. Oh non, c'est une blague où oui, il est. Non, c'est un condensateur bipolaire. Non. J'ai envie de chialer. C'est un quoi 10 microfarades, 10 volts. Et là c'est la déception. Putain, mais quel enfer. Oh là là là, là. Et je vais pas en avoir des, des CMS en. comme ça. Hein. Il est bipolaire, ouais, c'est ça de c'est tout à fait ça. Hum... J'ai du Tantal CMS en 12,06 qui fait 10 microfarads, 25 volts. On peut tenter ça. On peut tenter ça. RS attend à commando. Putain! <laughs> Fuck dude! Alors, lui, je vais le remettre dans l'ordinateur. C'est un combien Je sais pas hier ou quoi 2,250. Pourquoi j'ai sorti le 2,250 alors c'est pas du tout lui que je devais remettre C'est lui que je devais mettre. Je crois que je suis fatigué. Non. Comment ça Pourquoi un tantal ça, ça marche pas pour les bipoles. C'est quoi les tantales déjà Attends. tantale Ah C'est cela! là Ok, je vois. C'est ceux qui ont une polarité du coup. <laughs> C'est les céramiques qui n'ont pas de polarité. Fuck, dude. Autant pour moi, autant pour moi. Calmez-vous dans le chat. Wow. Oh. Calmez-vous. Je vous vois là. Vous énervez. Sachant qu'il a une sale gueule, en plus. Je le teste très bien. Binaris. Avec notre multimètre. Oui. Avec notre multimètre, tu sais euh, mesurer les condensateurs ou pas Ou c'est pas possible avec le nôtre J'aimerais bien un jour savoir. Il euh, y a un. La capacité, oui. Tu veux passer sur Popcorn à vous. Ouais. Tu devrais utiliser un condo au Mika pour remplacer un dipolé. Ça fait toujours son petit effet. Ah bon. En mode cap. Ouais, mais ça marche pas. Sur le mien, ça marche pas du tout. On va essayer. On va essayer ensemble. Ça marche pas. Là, d'aujourd'hui, il est un peu. Euh c'est hein. pas très travaillé hein, d'habitude hein. je suis plus habitué à ça donc mode cap t'en mets des mesures tu poses, euh, pas de questions et fais tout tout seul oui non mais c'est sûr comme ça je pourrais comparer au pire Treize microfarad. J'aimerais bien réussir à bien le faire. Ça serait cool. L'aiguille bouge, tout va bien. Oui. Ça marche bien Ok. Fais voir si je teste avec le mien à moi. Euh... Donc là c'est un 100. Je vais essayer le 10. 1035. Il me dit... Euh... Prends du temps. C'est quoi C'est le temps qui charge le condo Ah ça marche en fait. C'est fou. <laughs> Merci beaucoup, Victor Tropfort. Ça marche bien. Merci beaucoup, Victor Trofort, pour ton huitième mois d'abonnement là-dessus. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ah bah en fait, ça marche, ce truc-là. Très bien. Bon, bah il a à 13 microfarads, mais euh, écoutez, on va le remettre en place, c'est pas grave. C'est pas grave. Et Joe Comment il va, le Joe Le Joe, est mort Comment il va Et merci beaucoup hein, pour les abonnements, vous êtes euh, très généreux. Merci énormément. Écoutez, on va le remettre en place, hein, c'est pas grave. Tempi. <laughs> <Like it, elle. rire> Ça fait chier, je viens de faire une commande RS. J'ai changé un mec. J'ai chargé un mec dans mon coffre. J'ai déposé à une montagne à 2000 mètres d'altitude. On va voir la ref. Est-ce que c'est la ref du Discord C'est ça Merde, il est où Il est là. Voilà. Oui, c'est ça. Très bien. Ok, bon, bah on va se contenter de, des condensateurs polarisés. Hein, ça sera très bien. Sachant euh, que ça va être compliqué hein, cette réparation. Il y a la plupart des condensateurs que je ne vais pas remplacer. Donc 3,350, il m'en faut. Je vais écrire hein, sur mon petit Hop. carnet de notes. Eh oui, ma bonne dame. 3,350. Et 10 UF, c'était combien C'était des 10 volts. 10 volts. Bip. Bipole. Voilà. Impeccable, ma bonne dame Encore sur cette série Netflix. Ah bah oui Bien sûr. Un bon vieux calepin, eh oui. <laughs> Hugo, sur tu regardes le stream, on te salue. Tout à fait. Alors, 2,2, c'était lui, je crois. Non, j'ai dit 2,2. 50 volts 0,47, c'est un copain à l'autre là, non T'es où de deux C'est lui de deux, c'est lui de deux, je crois. De 2, deux cinquante, c'est lui. Non mais ça, ça m'apprendra, hein, pas... Euh... Ce frère d'armes. Ah <laughs> oh Qui c'est qui veut manger du jambon Petit jambon La polarité est écrite Oui. D'accord, c'est avant tout une pub pour le jambon, ça. Hein. C'est une musique qui a bien marché à l'époque ou pas 2,2. 50. Dans le bon sens. Impeccable. Eh, hey, c'est presque la même taille, hein. Bon, par ailleurs, eh oui. des lunettes d'AR qui seraient capables de cartographier les composants que t'as posés sur la table et que tu te dis où il est. Ça existe déjà pour les PCB, ça. Hein. Ça existe déjà pour les PCB. Il y a un truc qui existe. Avec de la réalité augmentée, justement. Un scandale de faire de la pub avec ça. Ah ouais. Si c'est un son qui marchait bien, qu'à en faire à l'époque T'imagines, t'es euh... t'es chanteur, tu fais une musique, et finit dans une pub après. Tu dis putain, les gens ils se sont ambiancés à fond dessus et maintenant c'est une pub pour faire du jambon. C'est terrible quand même. Ça fait un peu mal quand même. Et ça normalement, ça refer... ça passe dans la boîte. Non, c'est pas là. C'est ce morceau-là, c'est celui-là. Ça irait genre là, ça passe au milieu. C'est bien, c'est que toute la partie qui est là, ils ont, ils ont fait de la place, ça passe là-dedans. C'est royal. Vraiment, ouais, bon, des, des cracks. Il y a pire en pub, genre pour accompagner euh, la vie ou, je ne sais pas, la fin de vie. Ah oui, bah ça, bon. Chacun choisit une veut là-dessus. Encore, ça va. J'espère sur 20. <laughs> c'est sûr. Quelqu'un qui se dit je, je m'en vais sur cette musique, ça va encore, je trouve. T'es qui toi Je sais pas s'ils font grave la gueule. Hein. 3, 3, 50. Ah, c'est le fameux Chong Partant, euh, station d'hiver pour les vacances, bon courage, ça bouchonne sévère. Ah bah là, aujourd'hui, ouais. Hein. Je pense que là, ce week-end-là, pour partir en vacances, c'était pas le bon bail. Donc là, j'enlève les condos un à un. Avec la pompe, je nettoie et je remets le nouveau condo, tout simplement. Il y a trois condos que je vais pas pouvoir faire, du coup. Qui est un peu chiant. Dans ce cas-là, les mecs sortent. Ce chéquier, le chéquier est terminé. Composez vos pubs, mettez <laughs> les bons morceaux, c'est ça. C'est ça. Donc on a dit 2,250. Ou qu'il est, Jong Hein Si c'est ça, 2,250. Ah bah non, c'est eux. C'est eux, je crois. Non. Bah c'est qui 2,250 Je suis con, j'ai soif. 4,7. Ça c'est 10. Je les ai pas sortis 0,4750. 3,3. Bah merde alors Mais c'est pas possible Je suis bourré ou quoi 2,250 J'en ai plus. Je les ai pas sortis. Mais... Putain, c'est pas le 2,250 que je viens d'enlever, c'est un autre. Oh là là, ça se trouve, j'ai inversé, putain Ah là, là 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 Je me demande si j'ai pas inversé. Ça, c'est le 2,2. J'ai le 2,2 et j'ai le 3,3. Le 3,3, potentiellement, il va là. Et je ne suis pas sûr, je crois que j'ai inversé. Euh, ok. Comment ça s'appelle Donc, notre appareil, il s'appelle un Recap Game Gear. TV tuner. Quelqu'un a peut-être la liste des, com des composants. Mais j'ai des gros doutes quand même. Parce que là, on va avoir surtout pour la Game 1 TV tuner, oh les salauds. PCB1, PCB2. Bah du coup pas les salauds, mais euh, merci à eux quoi. Yes Belle léchant, banga, Wadis Ah ouais Coup dur un peu. Alors, nous, c'est qui c'est qui C'est C218. C'est qui C218 On est de quel côté du coup On est du côté de la prise AV in. Externe antenne. On est à l'opposé. Normalement on a un AV jack. Et on a C218. C220. C221. R. Tac tac. Ah donc la vidéo regardez elle va où Elle rentre là là là, là, là. c'est 219 qui a un 10 microfarad 10 volts ok donc c'est lui qui est bipolaire euh, qui est bipole ou bipolaire ça se dit bipole ou bipolaire ou pas et ensuite il va où Je passe par là il va là, il va là. C'est le 118. 3, 3, 50. Yes, je ne pas inversé. Je suis trop fort. Excusez-moi. On est bien. Hein je m'en sors pas mal. Bon, j'ai créé un... Je crois que j'ai créé un gros embouteillage dans, dans GTA derrière. Hein. Mais les gens sont sympas parce qu'ils ne viennent pas de sortir la voiture et tout. Dans GTA, c'est vraiment des gens sympas. Ok, le 3-3, il est bon. Ce qui est bien, c'est que c'est bien des condos de la partie vidéo. Ok. Continuons, on a C401 qui est un 10 micro 6 microfarad 6,3 volts. Qu'est-ce que j'aurais pris pour ça 100 microfarad, c'est pas ça. 10 microfarad, 35 volts, c'est lui que j'avais pris. Ça fait beaucoup par rapport à l'origine. Salut UTX, comment ça va Comment il va le Tix N'hésitez pas bien sûr à les suivre. Tix Le Sur son Twitch, Team Protopot. Ça bricole, sac. Ça, ça fait plein de choses. Allez-y. Bien sûr. Team Protopot, bien entendu. Oh là, c'est quoi cette musique Eh hey, ma parole, on est dans le roi Lion ou quoi Marrant, non? non Hop là. On continue, on y va tranquillou. Comme je vous dis, on a de la place dedans. C'est un avantage. Johnny Clegg, oui. Ah bah oui. Là je connais. Là je reconnais. Là je reconnais la zic. Il y émotes animées, si on peut... Oui, on peut faire ça sous Linux. <laughs> ah bon, c'est quoi Linux Je connais pas. Plein d'adus. Donc ces deux-là, je ne vais pas pouvoir les remplacer. Parce que c'est les fameux 3, 3, 50 volts que j'ai pas. Par contre, le jaune au milieu, là, on va l'enlever tout de suite. Aïe. 4,750 volts. C'est ça Non. C'est qui 4,750 volts, c'est lui. Et donc lui à côté, c'est un. Ça un rien. C'est pas... pas un condo. Si c'est un condo, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. J'aimerais bien qu'à la fin, ça marche bien. Kilo. à la fin on pourra faire tellement de trucs cool avec c'est fou hein j'arrive pas à trouver c'est fou Euh, sans décodeur TNT, PT redistribué. Euh... Aucune idée. En tout cas, avec ce matériel-là, tu tu feras rien. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et il nous reste les trois-là. Il y a que lui qui va être un peu chiant, qu'il faudrait que je mette à plat, je pense. Je vais le mettre à plat lui. Ah si, bonzana Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air intéressant. Ça va servir à quoi Il y a une entrée AV, c'est ça. Je peux brancher euh, ce que je veux dessus. Alors, attendez, C409, j'aimerais bien savoir qui c'est lui. C'est qui toi D'où tu viens Quelles sont tes péripéties Ah, oh, truc de ouf, hier, un microfarad 50 volts. Ah bon c 509 Un microfarad 50 volts. Ça jette ça normalement c'est cool si j'ai, ça veut dire qu'il n'y aura que deux condos qu'on n'aura pas remplacés. Hier, je regardais la vidéo de. Euh, Mister V, qui a sorti une vidéo sur la police. Et. et, 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 et très intéressant, au bout d'un moment, il court dans un stade, et c'est le stade où je faisais du. quand j'étais à l'école. Fou Du coup, ça fait bizarre. Quand j'étais en bac pro. C'est là-bas qu'il nous emmenait courir. Et c'était de la merde. Spoiler. Ça fait bizarre de voir ça en, en vidéo. C'est marrant. Le Popeye qui dit bonjour à, à tout le monde. Vous êtes nombreux à faire du multi-Twitch. Il fait du multi-Twitch. Vous ne pouvez pas venir celui-là. Donc on a dit ça. Un micro -farad 50 volts. Pour ça j'arrivais pas. La vidéo d'Edwar, ce serait pas celle de GoldenEye64, tu as été crédité comme régisseur, c'était ton... Quoi ton job Ah Elle est sortie Elle est sortie, c'est la vidéo d'aujourd'hui Ne se prononce pas, très bien. C'est le sujet qui m'intéresse le plus. Ah très bien. T'as bien raison. Ce samedi, oui. Ah bah potentiellement, oui, j'étais dedans. Et euh, moi, en tant que régisseur, euh, bah, ceux qui ont contribué à Edouard, normalement, vous verrez un extrait de moi qui racontera ma vie. Sur les tournages. Et même euh, pour ceux qui ont acheté le bouquin, j'ai un extrait dedans aussi. C'est fou ça. J'avoue, je... Et euh, sinon, euh, sur les tournages, je, je m'occupe des humains, en fait. En même temps, est considéré comme du multi-twitch. Bah ouais, c'est ça, du coup. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Donc euh, sur les streams. Sur les streams. Sur les euh, vidéos d'Edouard, je m'occupe de la vie sur le tournage. C'est-à-dire que je fais la navette. Je fais les allers-retours à la gare, etc. C'est moi qui fais les courses, c'est moi qui fais la bouffe. Puis voilà. Régisseur, c'est veut dire. Quand il y a besoin d'un truc de dernière minute, genre mode oh putain, on a oublié cet accessoire-là, etc. Faudrait que tu nous le trouves. Paf. Appelle à moi, je me démerde. Ce genre de, de baillance, quoi. On voit pas la 11 Ah Peut-être qu'on la verra un jour. Peut-être qu'on la verra dans une autre vidéo. Peut-être qu'on a tourné deux vidéos. Ce même jour, ce même euh, week-end. Cette même semaine plutôt. C'était pas un week-end. A plus André, merci d'être passé et bon appétit bien sûr. À étamer parce que ça veut pas venir. Et tu vas c'est pas mon fort. Ah bah ça, je veux bien le croire. Pas mon fort non plus. Après, c'est pas dit qu'à la fin ça change grand chose. Je trouve ça va plus marcher du tout, sachant qu'il manque deux condensateurs à remplacer. Ah, c'est chaud, ça me saoule. Je vais attaquer directement à la pompe à dessouder. Potentiellement, ça peut faire le taf. Tain, mais c'est dingue. Pourquoi il se bloque Pourquoi l'étain, il veut plus sortir C'est quoi les symptômes Des couleurs pas très jolies, un bruit un peu fuyant. Euh... Ça ressemble à un souci de condensateur en fait. Est-ce que c'en est vraiment un hein Je ne sais pas. La chaleur c'est un plat qui se mange froid. Bien vu là-dessus. J'aime beaucoup ça. Des couleurs qui ressemblent à rien. Euh... Plein de petits bugs. Bon. Voilà. C'est une bagnole historique ou t'as rien. Euh, là il y a zéro info hein, là-dessus. Hein. Ah oui. Okay. Voilà. voilà. Oh bah eux ils faisaient un peu la gueule je crois. Pas sûr mais euh, peut-être un peu la gueule ces trois-là. Alors, ces deux-là, je peux les mettre debout. Celui-ci, je vais devoir le coucher, par contre. Je vais avoir cette musique. Wow, 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 Je trouve que je chante super bien en plus. J'espère que vous, vous appréciez. Hop. Donc c'est bien des. 47 microfarads, 10 volts, c'est ça. C'est ça. Là il est 12. Eh B. Merci beaucoup. Je vois, je vois, je vois, je vois. Merci beaucoup. Pour ton abonnement. Troisième mois d'abonnement, c'est beau. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Comment elle va Comment elle va La rideuse. Là-dessus. Mmh. Bon, oui. Ça, c'est good. Et là, je l'ai pas enlevé. Ça, par exemple. C'est mon abo automatique. Et oui, ça marche bien. Allez, on y va. Donc il va falloir que je lui fasse un entretien à cette pompe. Alors ça, je pense que ça ne passe pas debout. C'est même sûr et certain. Donc on va le coucher. Comme ceci sur le côté de ton tueur tnt pas du tout pas du tout c'est pas mon but en tout cas on pourrait hein. je suis sûr il ya moyen de hack ça avec les bonnes compétences c'est sûr et moi déjà que j'ai pas beaucoup de compétences alors tenter de hacker ça pas très pas te de dire, euh... hors concours de mon côté pas plus tout ce qui est zon ondes, pour te dire le niveau du, le skill du gars, les ondes avec un Z. Je ne sais pas faire. Que je suis en vie donc ça va. Oh, bah courage et euh, GG pour être en vie. C'est bien joué de ta part. Ok! Et vous avez vu, il y a une prise jack là. Est-ce qu'à votre avis, c'est pour l'audio? Moi, je dirais que c'est pour l'audio ça. Soit pour l'audio, soit sur une, pour une prise jack, euh, une antenne externe. Je pense, quand tu regardes le truc. On a external antenne et on a l'antenne. Ouais, non, c'est pour une antenne externe là. On peut, on peut avoir une antenne externe à brancher. et ma femme et le pompier quoi enfin. ouais. bah euh, très bien bah bon, bon courage ça n'a pas l'air facile de la ce fort là-dessus hein. Voilà. Allez, c'était les derniers condos. On va retester tout ça. On va nettoyer, remonter. Si ça se remonte. Et on teste. Hop là. Si ça marche, c'est Noël. C'est le boss fighter. Euh... Plus j'ai envie de m'y mettre. Ah, bah alors Il faut, il faut. Ça, c'est le genre de messages qui font plaisir. Hein. Quand on m'envoie des DM, quand on me dit euh, sur le chat, quand on envoie un message sur Discord, etc., pour me dire Eh, hey, euh, grâce à toi, j'ai réparé ça, grâce à toi, machin. Euh... En regardant tes lives, tu m'as motivé à faire ci, à faire ça. On a même eu des gens qui ont trouvé leur vocation professionnelle. Ça, c'est fou, ça. Hein. Ça, c'est dingue. On dit, waouh, en te regardant et tout, hein. ça m'a donné envie de faire ci, faire ça. Et eh bien, ça me semble pas pire. Donc il y a deux condos qu'on n'a pas fait, celui-ci et celui-là. OK. Donc on va les on va les laisser comme ça pour l'instant et on les fera un autre jour, c'est pas grave. Voilà. Et bah ben voilà. Je perds mon temps inutilement. Ah bah ben ça c'est bien. Ça prend l'impression que c'est je le trouve aussi. Ah bah ben tant mieux. On va nettoyer rapidement la prise Jack qui est là. Jack Bon en tout cas, euh, elle y va hein, elle derrière là. Hein elle est au taquet. Hein. Vous savez quoi, je suis même un TUG. Et je vais refaire les soudures de la prise jack vidéo. Je sais pas si c'est être un TUG de faire ça, mais... Ça va permettre au moins. Stander ça va permettre de la, euh... de s'assurer que ça fonctionne bien. Ah mais bah attends, mais il y en a encore là, là. Voilà. Sait-on jamais. En fait, tout ce qui est matériel susceptible d'être euh... Là tu vois ce genre de connecteur c'est susceptible d'être... Euh... C'est susceptible d'être... Euh... mince. De se casser avec le temps. Donc de refaire la petite soudure, tu vois ça lui fait pas de mal. Les faire assez, ça a un risque ou pas En si petite quantité là, comme là, non, pas trop. Bienvenue à toi, Phoenix Darkness. Merci pour ton follow. comme. Je dirais pas trop. Bah, tu vois, ça a pas pris feu en tout cas. D'être malmené, c'est ça. Malmené, vous avez la ref. Tiens, merci. Merci pour les follow même sur ce genre de choses. Ça fait plus dur. Vous avez vu, j'ai encore le film plastique dessus, c'est fou. Quand on fait pour tester de la télé analogique, c'est fini. Parce que nous, ça ne nous intéresse pas la télé. S'en fout de la télé. D'où les merdias, tout ça, on n'en veut pas. Voilà, oh, la vache. Il y a une entrée auxiliaire bien vue là-dessus. Alors, est-ce que ça va se refermer Je pense que potentiellement non. Toi, déjà, tu nous embêtes. Hop. Comme ça. Alors, ça doit se clipser là-dedans, dans le potard. Très bien. Et là, ça se branche. Qui m'embête Je suis à fond, là ah, bah oui, je suis à fond. Parce que ça, ça permet de bouger le potard qui est là. Oui, on a compris. Ouse that girl On va pas remettre les vis. Et je parle pas des jeans. T'as la ou pas Ça, c'est pour le HFVHF. Ai sur la Game Gear quand même, On a fait la PlayStation 1 déjà. Mais pourquoi pas, potentiellement, ça, ça peut, ça peut. Non, ça serait plus marrant d'aller encore plus loin, et de dire, eh, hey, viens, on joue à la Switch sur la Game Gear. Eh, hey, viens, on joue à la Xbox One. Eh, hey, viens, on joue au PC. Viens, on se fait un Warzone. Viens, on se fait un Forza sur la Game Gear. Ça, c'est fou. Ça, ça me rendrait fou. cette musique de ouf au volant sur game Gear, tout va bien mais grave avec deux game Gear en vr tu meurs <laughs> bon je vais laisser démarrer la musique parce que je sais pas ce que c'est visiblement c'est le son de la mer de okay. toute façon c'est pas mal il va être limite pour regarder un film un peu long <laughs> je crois qu'il reste plus qu'à tester jeunes gens alors déjà dans un premier temps sur ma game gear d'origine ça avait fonctionné on va essayer au moins là-dessus. J'ai la flemme de sortir toutes les piles et tout. Je vais sortir la lime qui va. Mmh, 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 donc, c'est mon lime 2. Euh, tac, 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 qui ressemble à la lime de Game Gear. Sauf que le câble est hyper long. Parce que forcément, c'est une Game Gear. On a envie d'y jouer dans le canapé. Alors que la prise, elle est sur le mur d'en face. Et oui. Voilà. Ça, c'est pour la Game Gear. Let's go. Ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Ça prend un peu de temps de sortir toutes les piles. Ah. Ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Je crois c'est comme ça qu'on dit. Oh. Ah, j'ai parmi l'antenne. On capte la télé. Ok. Eh ben écoutez, on a une Xbox de sortie. Alors quoi d'autre que d'utiliser un câble pour la Xbox Xbox euh, Est-ce que j'en ai un Si j'ai le câble HDMI qui va bien Ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. Y'a bien. On va utiliser ça. Y'a bien. Y'a bien, je te dis. Pourquoi oh, j'ai coupé un câble là-dessus Ah oui, c'est ça. Garde bien. Quand un mobile, euh, co du copain riche, il te l'a prêté. Tu pouvais même pas acheter les batteries pour y jouer. <laughs> bah, mais s'il te la prête pas sans... Il te la prête sans la lime, ça va pas du tout. Et normalement, j'ai un. Petit câble qui va bien. Voilà. Tiens, d'ailleurs, les, euh, les gens qui s'y connaissent un petit peu en signaux, euh, signaux HDMI, etc., est-ce que ça, c'est vrai Attendez, je vous montre. Ou est-ce que c'est un gros fake Très peu vendeur. Il est où Là. Le HDMI vert composite. C'est un vrai bail ça ou c'est comment Ok. Et après avoir une baisse de tension en France, Yves il va allumer la Game Gear. <laughs> <Non. rire> Cable avec convertisseur intégré sûrement. Ouais, ah, mais je suis pas sûr. C'est ça qui est bizarre, c'est que le câble il paraît tout fin du bouton en bout, tu vois. Après, ils sont peut-être très forts. Hein. Alors. Uniquement si ton appareil convertit l'analogie via le câble HDMI, sinon pas possible. Ah, d'accord. J'en avais un avant. D'accord. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Attends. Ah, faut que je l'ouvre, faut que je l'ouvre Driver 3. Faut que je mette Driver 3. Ah, attendez, comment je vais faire pour lancer comme on avait fait tout à l'heure déjà. Oh. C'était dans quoi déjà System Manager, xBMC, System Manager, je crois. Et on avait euh, DVD machin, lecteur DVD drive ou un truc comme ça. C'est ça. Vous voyez quelque chose C'est pas mon IPS non. Attends, vous voulez qu'on la reboot Regardez. Éteint. Allumé. A un de ouf. <laughs> mais jeune gens, on joue à la Xbox pour une image dégueulasse. C'est là qu'on voit les mecs motivés du pro Concept. Ah, mais trop! Mais moi j'adore, je suis fan. Attendez, faut que je. Parce qu'il y a le son qui va avec, c'est fou. Attendez, je désactive la suppression du bruit. Attends, oh, ça y est, ça se lance. Attendez, je redémarre la console. Attention Écoutez ça Ah oui j'ai juste éteint, je suis con C'est des bars L'image est tellement moche. Ah bah l'image elle est, elle est scalée. Moi je vois rien là actuellement. Je vous le dis. Je vois ab absolument rien. Game celle-ci est passée... Euh... L'opérateur qui n'en peut plus mais grave. Celle-ci qui est passée euh, dans... dans les vidéos d'Edouard. Hein. Sachez-le. Eh hey, mais franchement je m'attendais à pire. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Vas-y, on met tout à. L'image est à la hauteur du son. Il y a deux condos à refaire. Là, tu joues tranquille dans l'appart. La, dans <laughs> Grave. Tu peux aller te promener et tout au calme. Ça passe de ouf. Je laisse charger. <laughs> <laughs> qui c'est qui joue à Driver? Eh, la Game Gear, ça a changé. Hein. Ça a changé la Game Gear, je te le dis. Hein. <laughs> Débarbe, putain! Débarbe. Eh, franchement, la game jire comme ça à l'époque, ça cartonne. Hein Les c'est magnifique. Ah, bah oui. Hein. Alors, attendez. On va, on va tenter un truc. On va tenter un truc. Je vais retenter avec euh, ma IPS. GameGear super à la Switch. Non, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Je valide. Celle-ci, ça fait ça. Sur la IPS. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je pense que l'écran, il n'est pas fait pour... Parce qu'en fait, euh, je me demande si c'est pas au niveau de la lime. Tu vois, t'as beau débrancher. Rebrancher, ça donne rien. Contrairement à l'autre. Ça donne rien sur ça. Alors que ça marche très bien sur celle d'origine. Ça fait juste un, un fond comme ça. C'est dommage en vrai, j'aurais tellement kiffé. La même fréquence que la dalle IPS. Ah tu penses Alors il y a certaines qui sont fournies avec un quartz. Certains modes IPS qui sont fournis avec un quartz pour quelques game c'est Salut Pipi C'est fou quand même. Hein. C'est quand même fou. Avoir la télé sur Game ah bah oui, hein. alors malheureusement, nous on l'a pas eu en France. Ça, c'est la vie. Hop, euh... ouais, je vois peut-être euh, le connecteur, il est dessoudé à l'intérieur. Il va pas très bien au fond. J'ai l'impression qu'il y a... Il y a peut-être un truc qui est là dedans. Avec la cassette ou à l'internat. On jouait à la PS1. Ah Il euh, y a un petit écran dessus. Alors ça, c'est le futur par contre. Hein. Le truc de ouf quand même. Ça permet de tester la boxe box on the go. Il n'y a pas trop de délai en vrai. Un peu, mais ça va. Comment on sort dans ce jeu Et du coup, j'ai ce qu'il faut pour brancher de l'HDMI dessus. Et ça c'est ouf. Et si je le règle pour moi. Ça te dit quoi Ce qui est un peu frustrant, c'est que là j'ai envie de jouer comme ça, tu vois. J'ai envie de jouer comme ça. Mais du coup, tu peux pas. <laughs> c'est juste trop fort. C'est juste trop fort. Faut que je fasse une photo quand même. Bah il est réparé hein Il est réparé. C'est la dernière fois vraiment l'image a été dégueu et tout hein. Hop on est un Xbox. Alors c'est bien, c'est que j'ai quand même une Game Gear pour y jouer. Ça va. Je ne suis pas trop en plaindre. Comme quoi toujours garder un, un, une, euh, une d'origine. Ça valait le coup. On va la remonter. On va remonter le connecteur. Le contrôleur plutôt. Ah Le tuner. Comme ça qu'il s'appelle. Ça va là ça ou pas J'aurais dit que oui. C'était marrant quand même, non En vrai. Parce que chez vous, vous avez esquissé un sourire. En fait, ce qui moi ce qui me choque, c'est que ça marche tellement bien. On est passé d'une image dégueu à une image immonde, merci. <laughs> ah, tout ce travail pour ça. <laughs> mmh. Ok, elle est mon antenne. Elle est là. Salut solid Ça valait le coup de changer tous ces condos. C'est un réveil Non. C'est un Game Gear TV. Vous avez vu, je dis les deux. Je dis Game Gear, je dis Game Gear. Je dis les deux. A plus, Patchouk. Merci d'être passé. Et ça, du coup, c'est pas sorti en France. C'était montré sur la boîte. En mode, R. Hey, regardez l'accessoire qu'on va sortir avec. Et pas du tout. C'était juste pas compatible avec nos technos à nous. Ça aurait été le feu. Hein. En même temps, à l'époque, c'était le. C'était un délire, les téléportables. Les télés sur batterie. Effectivement. Et oui, ça marche bien. Ça marche bien. On referme ça. Et puis voilà. En plus de ça, j'ai le support pour la tenir debout, la, la console, dans la boîte. Parce que j'ai la boîte et tout. Regardez. De la machine, ça aurait suivi. De quoi Pour avoir regardé la télé, bien sûr. Mais non, mais c'est sorti, hein. C'est juste pas sorti en France. C'est pas sorti avec nos technos à nous. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Alors attendez. Je fais juste un peu de place. Elle oublie la boîte. Elle est là. On va faire la même avec Luigi. Tu vois ce que je veux dire <laughs> Non, on va, on va pas faire ça quand même. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Oh, t'as un pied. La Switch avant l'heure. Hein. Je vous le dis. Ah ben on l'a sous les yeux. Oui, <laughs> c'est vrai que... Ça va, jusque-là, t'as pas tort, Binaris, C'est pas... vrai. Ah oui, et tu pouvais le plier. Oh là là. Regarde. Mode transport. Et bam. Oh là là. Là tu, la... là, tu la mets dans la poche. Là, tu la mets dans la poche. Hop. Et tu la poses. Dans la poche. Voilà. Mais non, c'est pas bidon. Regarde, à l'époque, si tu regardes la notice, pendant que tu fais tes devoirs, tu peux regarder la télé. Dans ta voiture, tu peux regarder la télé. Et en faisant la cuisine, tu peux regarder la télé. C'est trop bien. Une sacrée poche. Oui, bah ça, ça se... Ça se, ça se, ça se, ça se bricole. Il y a moyen. Tu demandes à Kathleen, par exemple, et elle nous fait une poche pour la Game G1. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens, ils pensaient vraiment qu'on avait des poches ouf. Même la Game Boy, en vrai, la Game Boy première du nom est certes plus petite que celle-ci. Mais la Game Boy première du nom, tu la mets pas dans une poche. On est d'accord. En tout cas, euh, moi, je trouve ça vraiment... Non, euh... oh, ça n'a pas marché. Ah Ah voilà, ça va veut plus. Ah euh... Mémé pouvait te coudre une big poche dans son blouson, années 80, ça faisait... <laughs> ouais, c'est clair. À l'ancienne. Effectivement, on pouvait te coudre euh, ta pocket. Pourquoi pas. Euh... On va faire un dernier truc. Avant tout, on va remonter la Xbox. Ok. On va la remonter de manière définitive. Hop, la Xbox Crystal. Ça, je te pose sur le côté. Euh... Alors attends, les petits condos. Tac. On va la remonter de manière définitive comme ça, c'est bien. Je verrai les deux derniers condos si on les remplace un jour ou pas. On verra. A plus monsieur Lazare, là c'est passé. Ok. On va la remonter. Euh, tout le monde, sur YouTube, nous on s'arrête là. Des bisous. Bye bye.